si Laetitia Hallyday se réjouit d'avoir pu retrouver son fiancé Pascal B. dans le Montana pour des vacances en famille, une grande déception demeure, celle de ne pas avoir uni leur destinée en janvier dernier. La veuve du taulier est supposée avoir prévu de convoler en juste danse en janvier dernier à Saint-Barth avec son beau restaurateur, une manière d'en finir de la phase de deuil, 2 ans après la disparition de son mari des suites d'un cancer. Cette union avait été annoncée par le magazine France Mag, quelques jours après le magazine OA, qui prétendait les démarches déjà amorcées et les faire par envoyé. Mais ce projet aurait été contrarié en raison du conflit autour de la succession l'opposant à ses beaux-enfants. Laetitia Hallyday aurait pensé que cette guérilla judiciaire allait se régler en décembre dernier. Tout était pourtant prêt. La mère de joie et joie ne se serait pas attendue à ce que son beau-fils, David, et ses représentants, se montrent aussi implacables sur le droit moral. Mais ce ne serait que partie remise, et les deux amoureux continuent de profiter à fond, et à la mi-février, le cap a été mis avec leurs enfants sur la station de ski de Bitski, près du parc national de Yellowstone dans le Montana. Des photos ont été diffusées sur Instagram.